Écoute, frère, tu sais ce que tu vas faire en Algérie? Tu vas rentrer dans toutes les maisons où ils ont mis les prostituées avec les chirettes ensemble. Les darons de 50 ans, 60 ans, 70 ans, qui vivent avec plusieurs jeunes filles dans le même pavillon, et c'est le père et le fils, le proxénète. Toutes les femmes en Algérie, au Maroc et en Tunisie qui parlent en arabe, elles m'ont jalousé en disant « Elles sont en train de dire en arabe que je me la raconte parce que je parle le français. » tu vas leur envoyer tous les militaires en Algérie. Vous rentrez de force dans leur pavillon. Tu vas rentrer de force dans leur villa. Tu tires sur tout le monde sans sommation. Quand je te dis sur tout le monde sans sommation, toutes les chirettes, toutes les personnes âgées qui sont en train d'héberger des jeunes filles chez elles et qui les prostituent comme mon propre cousin a ramené ses potes à Arzeau en Algérie dans des bordels, ça s'appelle des bordels de prostitution. Tu rentres tout de suite, t'envoies les militaires en Algérie et tu tires sur tout le monde. Écoute frère, tu sais ce que tu vas faire en Algérie?